Bonjour mes petits, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Aujourd'hui, je vous prends pour faire une nouvelle ouverture. Il y a ça qui clote là-dedans. De Workbox. J'avais pensé l'arrêter. Faut que je voie avec mon monsieur, mais je pense que je vais bientôt l'arrêter. J'ai ouvert juste l'étiquette, comme ça je ne me spoil pas trop. Du coup, je l'ouvre à côté de moi, j'essaye de choper. Je chope juste en regardant parce que voilà, c'est plus facile. Ici, on a une publicité très heureux de bonus de jeu. Je vous mets pas. Je suis cachée avec mon doigt le code. Hop, de jeu. J'aurais pu le mettre à l'envers. Il n'y a pas le code à l'envers pour tout vous voir. Voilà. C'est pas un truc intéressant. Oh, j'ai fait tomber. Ça, c'est le flyers. Et cette box, c'est héros. Avec S. Il y a plusieurs héros dans cette box. Je le mets à côté. On regardera ça. J'essaie de choper. Ouais, je crois que c'est le pins. Du coup, on a le pins. Ah, je crois reconnaître. Je vais mettre ça sur ma table, à côté de moi. Du coup, c'est le. Oh, c'est Zelda. C'est le truc de Zelda. Je suis désolée, le fait que ça sonnait, du coup, j'ai répondu. Du coup, c'est le. Oh, je ne sais plus le nom. Le bouclier, je crois, de Zelda. Enfin, l'insigne de Zelda. Enfin, ceux qui connaissent, vous verrez bien. Je chope autre chose. C'est plastique. Oh, des sous verre de haut verre. Haut verre. Je sais pas si quelqu'un connaît. Voilà, je pense pas ouvrir. Est-ce que je sais, j'ai pas mes ciseaux à côté, bien sûr. Hop. J'ai trouvé mes ciseaux. Je voulais pas l'ouvrir, mais je vais l'ouvrir quand même voir. Hop. C'est en 3D. Hop. Ah, ils sont plastifiés. Ah ben, en fait, je vais pas les ouvrir. Oh, après tout. Même plus si j'avais eu d'autres, mais je les ai pas encore utilisés. C'est pas ce que j'utilise le plus chez moi pour le moment. Du coup, on a ceci. On a celui ici. Vous allez peut-être pas trop voir, mais c'est du 3D en plus. On a celui-là. Et la lumière n'est pas très bonne. Et pour le dernier, on a ceci. J'essaye de vous montrer mieux. Et du coup, à l'arrière, et ça, c'est pour tous, c'est le même. Voilà. Je connais pas ce jeu. J'en ai déjà entendu parler. Mais voilà. Du coup, je vais remettre ça dans son petit. Présentoir. Quel truc bizarre. Allez, rentre dedans. Bon, je refermerai ça correctement. Après, je chope ceci. Oh, Black Ops. Ça, je connais. Et du coup, c'est lampe de poche avec. Ça coche, ça coche. On va ouvrir ça. Par contre, je vais garder une lampe de poche. En plus, elle est noire et elle est bien attachée. Elle est attachée comme, ah, juste collée. D'accord, ok.
Du coup, elle se présente comme ceci. Je sais pas si vous allez vraiment bien voir. Hop. Je suppose qu'il n'y a pas de pile. Alors ici. Ouais. Un réservoir. Ouais, vous pouvez mettre quelque chose là. C'est quoi qui est marqué? En français. Fourni sous des titres forains uniquement retirés sur la languette. Il y a une languette. J'ai pas vu la languette. Ça, du coup, j'arrive pas à le refermer. Ça y est. Moi, je dévisse tout là. Ah ouais, il y a une pastille dessus. Hop. Il y a une languette en plastique. C'est bien, les pulls sont fournis avec, ça c'est déjà ça. Et logiquement, du coup, elle va s'allumer. Mais maintenant, je ne sais pas comment elle va. Comment tu vas? Ah, bonne. Ah, vous avez vu la lumière flue. Ouais, il faut que j'entasse. Ouh! Ouh! C'est pas. Fait de la lumière. Ouais, il faut vraiment que je regarde pour vraiment revisser ça. Ah, voilà. Et je suppose qu'en dévissant, on l'éteint. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà pour l'item qui est comme ceci. Il y avait quoi marqué d'autre? Retirer la languette et plier avec l'utilisation. Fournir un titre. Voilà. Ça fait deux. Puis il me reste deux choses dans la box. Ouais. Du coup, on va commencer par le t-shirt ou la figurine. T-shirt ou la figurine. Doudou, figurine ou t-shirt? Dis-moi, t-shirt? Il n'y a rien à battre. Du coup, allez commencer par la figurine qui est une pop. Et c'est de Toy Story 4. Et c'est vous déjà dire, c'est Buzz. C'est Buzz, nos petits Buzz. Voilà. Celle-ci, je pense que je l'ai déjà. Il faut que je voie avec monsieur. Du coup, elle va aller en vente directement. Dès que monsieur va rentrer, je pense que je vais la vendre. Ouh là, la mettre en dépôt. Je sais pas si c'est là ou là. J'ai un doute. Du coup, elle se présente comme ceci. Elle est magnifique. Arrête! Voilà. Elle est vraiment oh, trop belle. Il n'a pas son. Sa... C'est quand il part au-delà et à l'infini, c'est ça? Au-delà et à l'infini. Et ouais. Au moment où il. Il essaie de s'envoler. On va la remettre délicatement. Hop, dans sa box. Hop. Voilà. Et du coup, il y a... c'est dans cette série. Elle s'ouvre, celle-ci. Hop. Arrête! Je vous montre la série qu'il y a. Je ne sais pas si je les ai tous. Je ne sais plus ce que j'ai là. Faudrait que je me rappelle. Je vais déposer là. Et du coup, on a le t-shirt qui se présente comme ceci. Et on va l'ouvrir en lisant sur le t-shirt Transformer. Transformer. Du coup, on va ouvrir ça. C'est toujours XL. Comme ça, si moi je ne le mets pas, monsieur sait le mettre.
Le t-shirt est vraiment beau. La qualité est toujours aussi. Du coup, je ne le vois pas. Hop. J'espère que vous le voyez bien. Bon, c'est un simple quoi. Juste avec un auto bot. Boot. 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 Ouais, c'est un simple t-shirt. Il a l'air très large par contre. Je crois que je vais faire pyjama avec. Il a l'air très 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 large. Je vais... Et ça il pue. Faudra que je le lave. Hein. Du coup, bah, c'est ça le dessin du t-shirt. Je vous montre. Et c'est de Ravensburger Transformer. Ouais. Je vous montre le derrière si vous voulez. Et vous avez le tag. Dedans, il est écrit aussi. Hop, je vous montre. Hop. Du coup, c'est des t-shirts officieux. Voilà. Il est très beau, j'aime bien. Voilà. Et pour la première, l'autre chose, c'est que je reviens tout de suite. Comme ça, vous n'avez pas vu comment j'ai fait. J'ai fait la boîte. Et du coup, elle se retrouve comme ceci. Elle ressemble à une voiture. Je dirais une Chevrolet, mais je suis pas sûre. Hop, là, comme ceci, elle est très belle. Pour une fois, là, le nom WeBox est discrète sur la boîte. Il l'a pas mis tout plein, il est juste ici tout discret. C'est franchement une belle boîte pour ceux qui collectionnent. Moi, j'en ai gardé, mais je pense que maintenant j'en ne les garde plus. Enfin, quand j'ai des trucs à mettre dedans, oui, mais voilà. Ben voilà, je vous ai montré tout ce que je vous ai vous montrer. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner si c'est pas déjà fait, de mettre la petite cloche comme ça à chaque fois que je sortirai une vidéo vous serez au courant. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye mes petites